Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours beaucoup sur ce DP. Attendez, je vais vous montrer. Tac, tac, il est où? Je crois que c'est celui-là. Non, voilà. Sur ce Diamond Painting. Regarde comme ça et j'en suis à la dernière section qui est là à peu près. Voilà. Donc j'ai déjà avancé. Donc oui, j'ai un gros pull parce qu'il fait méga froid, que chez nous il n'y a pas encore le chauffage. Donc voilà, et que je suis gelée. Ah, j'ai froid. Oui, du coup, je vous fais une vidéo tag. Du coup, j'ai trouvé deux. Comment dire, je vous fais bruit. J'ai trouvé deux petits tags. Donc, il y en a un que je vais vous faire aujourd'hui sur cette vidéo, c'est ça. Voilà. Et un, je vous ferai sur une autre si j'ai le temps. Parce qu'en fait, ma mère, elle est partie à un rendez-vous. Du coup, j'en profite. Voilà. Oh, j'ai les mains glacées. J'ai les ongles tout violents. Il faut que je me coupe les ongles. Vous allez me dire c'est cool ta vie. Pardon, moi je peux pas garder. Ah, j'ai froid. Donc voilà, ouais, j'ai presque fini ce diamond painting. Je sais pas si on va le finir en vidéo ou pas. Ça me dit pas si j'arrive pas. Notre pastèque, j'aimerais bien finir aujourd'hui, mais dans tous les cas, voilà. J'en suis en train de faire la petite lettre. Ah, est-ce que je peux vous mettre le. Eh ben non, parce que j'ai pas assez de batterie. Et vu qu'il est en train de charger, ça a tellement. J'ai froid. Donc c'est parti, donc c'est le tag du mois de novembre de la chaîne de la personne qui a la chaîne de qui s'appelle La Vie Diamond Painting. Voilà, donc je vais vous dire en même temps, je vais faire une. Alors, ce question 1, ce qui te met facilement en colère. Alors ça dépend si c'est sur en général ou si c'est sur le DP. Donc si c'est sur le DP, ben, c'est quand j'ai pas assez de diamants. Ou que je fais tomber ma barquette par terre. Encore là maintenant, ça peut aller parce que j'ai un aspirateur ADP, donc voilà. Et sinon, si c'est en général, ben, des choses qui peuvent me prendre la tête, si. Mais en vrai, si on me parle mal, je vais mal parler, quoi, voilà. Moi, c'est comme ça, je suis désolée, je suis comme ça. Hein. On me parle pas gentiment, je parle pas gentiment. Et quand je suis fatiguée aussi, quand je suis fatiguée, je peux me mettre facilement en colère. Voilà. Je pose quelques diamants parce que sinon. Juste cette petite zone là. Oui, je pourrais faire une multiplexeur, mais j'ai pas envie. Donc. Moi, vous allez sûrement vous dire, ouais, tu faisais pas la réglette. Si. Mais là, cette section, je n'avais pas envie de faire la réglette. J'en ai un peu marre de ce DP. J'aime bien faire les DP, hein. Je l'adore, hein, mais. Quand j'arrive à la fin, j'ai dit yes, vivement que je suis à la fin. Donc voilà. Question 2, bien sûr, je vous mettrai les questions sur, en barre de description. Question 2, es-tu patiente ou impatiente? Ça dépend pourquoi. Patiente pour le DP, oui, je suis patiente. Pulse, non. J'ai essayé.
Quand j'étais petite, j'adorais faire des pulls, j'étais vraiment patiente et tout. Et là, j'ai voulu m'y remettre, ben, il n'y a pas si longtemps et je n'y arrive plus. Je vais peut-être éteindre ma lampe parce qu'elle me fait des reflets. Désolée, de toute façon. Voilà, c'est juste pour qu'on retaille. Mais du coup, je vois presque rien parce que. Vu qu'il fait froid, hein. Il y a des nuages. Donc voilà. Question 3. Es-tu plutôt quelqu'un de fonceur ou de suiveur? Je vous fais bouger, je suis désolée. Quelqu'un est-tu plutôt fonceur? Ben, je sais pas. Ben, je dirais suiveur. Ouais. Fonceur et suiveur à la fois. Parce que s'il y a quelqu'un qui va emmerder, qui va embêter, désolé, qui va embêter quelqu'un de ma famille ou un ami, ou voilà, je vais y aller direct. Et pareil, et que quelqu'un y va, ben, je vais aller avec lui, quoi. Donc je dirais les deux. Et ben, désolé, je pose un peu des diamants et on y retourne. Et tu suiveur ou fonceur? 4. Qui est-ce qui vous rend. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Vraiment heureux? Ben, ma famille. Ma famille, le Diamond Painting, mon chien. Enfin, mon chien et le Diamond Painting, oui. Et ma chaîne YouTube. Désolée pour le bruit, il y a un truc à la fenêtre d'un immeuble là-bas, je regardais ce que c'était. 5. Crois-tu aux âmes sœurs? Non. Désolée. 6. Crois-tu que les contraires s'attirent? Ben, ça, je sais pas. Cette question, je peux pas trop y répondre parce que déjà, moi, j'ai jamais été en couple. Et pour une fois, j'ai eu un flirt au collège, mais c'est tout, quoi. Et oui, ma mère a été au courant. Au collège ou au lycée, je ne sais plus. Et encore, ça a duré quoi? Une semaine. Lol. Enfin, bref, c'est pas grave. Ouais, je suis encore un peu revenue. 6. Non. 7. Crois-tu aux secondes chances, amour ou pas? Ben, en amour. Mais après, ça dépend en amour, quoi. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais. Moi, je dis que ce soit l'un ou l'autre, la femme ou l'homme qui trompe, une fois, ouais, tu peux pardonner, deux fois aussi, troisième fois, non? Mais après, tout ce qui est violence conjugale, que ce soit pareil hein, dans les deux sens, non. Je suis désolée, tu laisses une seconde chance. Voilà. 8. Sans égard au prix, quelle est ta voiture de rêve? Ma voiture de rêve, vous voulez savoir c'est quoi? Une Fiat 500L. Ah ouais. Les Fiat 500L. Ça, c'est ma voiture que je veux. Peut-être hein, que j'arriverai à me la payer, mais comme dirait ma soeur, tu te payeras la voiture que tu pourras te payer hein, si tu passes par là. Je te fais des gros bisous aussi si tu passes par là, ma sister. Enfin, mes deux sisters.
pris des gros bisous. C'est rien, c'est ma feuille. Je vais la ramasser après. Je vais diamanter un petit peu et on continue. Oh, bouge pas, merci. Bêtise, t'as bien fait de bouger parce que j'ai oublié les halles. C'est pas grave. Ouais. J'ai une chanson dans la tête. Je peux pas la chanter. Na 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 na. Voilà, c'est ça la chanson. Oh, vous devez avoir la ref. Enfin, ceux qui sont nés avant et jusqu'à, ouais, avant 2000 et jusqu'à 2004, 2003. Pourquoi j'ai repris un A et alors qu'il n'y en a pas? La bonne blague, honnête. Je suis un peu bête dans ma tête. Non, vous inquiétez pas. Je vais bien. Je suis juste un peu en forme aujourd'hui, c'est tout. Avec ma mère, on est un peu folle aujourd'hui. On n'arrête pas de dire des bêtises. Voilà, donc, oh, et ben c'est super! Je vais ramasser ma feuille qui est tombée, je ne sais où. Elle est là. Ok, t'es parti, je sais pas où. Hop là. Il fait froid. En plus, il caille. Il est censé faire 17, hein, chez moi. Cet après-midi, là. Bon, j'en étais où? Ah oui, à ma voiture de rêve. 9. Le plus beau cadeau que tu aies. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Attendez. Le plus beau cadeau que tu aies reçu. Ben. Le plus beau cadeau que j'ai reçu. Mis à part mon portable, mon ordi. Non, mon ordi, c'est moi qui me l'ai payé. Qu'est-ce que je dis? Eh ben, moi, tous mes cadeaux me plaisent. Hein, donc, tous mes cadeaux sont les plus beaux. Je sais pas. Mais après, c'est clair, c'est pas des cadeaux comme des Air Force One, des machins comme ça. Mais... Oh, pourquoi tu fais ça? Pardon. Je crois qu'il y a un diamant qui s'était enfui de sa place. J'ai froid. Non, attends, mais je pose juste le E. 6. Hop là. Ouais, je pose un multiplexeur là pour un petit peu, pour gagner du temps. Pourquoi j'ai compté 6 alors qu'il n'y en a que 5? J'ai pu compter. Allez, on va refaire, on va continuer. Je finis juste ce petit coin là et puis on continue les questions. Parce que si je dé... Si je blabate juste en répondant aux questions sans faire des petites pauses, la vidéo va durer quoi? 2 minutes et je vais pas m'embêter à faire un montage pour juste 2 minutes de vidéo. Enfin, 2 minutes. 5 minutes de vidéo, quoi. Donc, ça m'énerve, mais moi j'ai froid. Ah, je suis glacée, j'ai froid, les amis. Ah, j'en étais où?
10. Le plus moche des cadeaux, du coup. C'est le contraire de la 9. 9. Cadeau le plus moche. J'en sais rien. J'en ai pas. Ben non. Ah si, peut-être un cadre, mais c'est pas de ma famille, quoi. Que j'aime pas, mais qu'on a accroché, voilà, pour que ça fasse une déco dans ma chambre, mais c'est pas mon kiff, quoi. 11, ton lien avec les téléphones portables. Alors ça, j'ai pas trop compris la question, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, mon lien avec les téléphones portables. Alors moi, il faut savoir que si c'est concernant les marques, moi, je suis une fan de Samsung. Apple, pour moi, franchement, c'est de la... De la... du caca. Désolée. C'est pour rester poli. Voilà, parce que à peine vous les faites tomber, vous allez me dire. Donc, à peine vous les faites tomber, ils se cassent. Ça veut dire, moi, j'ai fait tomber une fois mon Samsung, il s'est pété. Bon. Il n'était pas protégé, c'était de ma faute. Mais les Apple, si vous les cassez, vous pouvez plus vous en servir. Alors que les Samsung, même si vous pétez l'écran, si vous faites juste une petite rayure, vous pouvez vous en servir. Ça m'énerve. Multiplaceur. Mais prends-moi ce diamant, nom de Dieu. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je me bats contre un. Voilà. Voilà. Ouais, du coup, nous, ma mère et moi, alors dans ma famille, ma mère et moi, c'est Samsung. Mes deux sœurs, c'est Apple. Oh, mon frère, il est Apple aussi. Mon frère lui a pris trop dans le bâtiment, donc. Apple ou pas, dans tous les cas, il pète ses téléphones au bout de quelques temps. Donc, Stéphane, frérot, tu peux pas dire que c'est pas vrai. Donc, voilà. Mais ouais. Mais. Faut savoir que même si je préfère Samsung à Apple, je sais me servir d'un iPhone. Je peux pas divulguer mes sources. Si je peux, parce qu'une fois j'ai réussi à débloquer l'iPhone 4 à une voisine. Alors que je n'ai jamais eu d'iPhone. De 1, parce que ça coûte une blinde. Ça aussi, je comprends pas les gens que tout le monde. Ok, l'iPhone 12 est sorti. Ils avaient l'iPhone 11, ils ont été prendre l'iPhone 12. L'iPhone 13, ainsi de suite. Mais c'est bon, c'est un téléphone. Moi, tant qu'il n'est pas mort, qui tient la charge, qui fait ce que je lui demande, mon téléphone, je le garde. Je ne mets pas 36 000. Ma mère, elle a un téléphone, ça va faire. 8 ans qu'elle a, mon maman, moi je m'en dis, elle le change. Et celui-là, il est censé partir. S'il est toujours de ce monde, à mon frère. Mon grand frère, hein, tu te reconnaîtras. Hein. Peut-être, hein, s'il est encore de ce monde. S'il est toujours de ce monde, tu le. Ça m'énerve parce que j'ai froid, mais mon pull il s'accroche immédiatement que j'ai déjà déposé. Donc voilà, concernant les téléphones. Alors je finis vite fait de poser mon E et on continue. Après au début, enfin au début, et en fait depuis que j'ai des téléphones, moi ça fait depuis mes 11 ans, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait. 21 ans. Non, pas 21 ans. 11. Ouais, ça fait 11 ans, quoi, que j'ai des téléphones.
Donc au tout début, ma mère m'avait acheté le vieux Nokia. Je sais pas si... Si il est pas mal là, je sais pas si... Parce que je sais que j'avais... Ah, vous allez avoir la chance. Je suis sûre, il y en a, ils l'ont eu celui-là. Ça, ce téléphone-là. Marc, non, je crois qu'il marche encore. Faut juste le mettre en charge. Faudrait que je teste en vrai, parce que je n'ai pas pris photo. Faudrait que je voie. En fait, mon tout premier téléphone, ça a été celui-là, moi. Ça, c'est mon tout premier téléphone, hein. J'ai gardé quoi, 6 mois? Oui. Je me souviens que c'est mon tout premier téléphone parce que ma mère m'avait pris un... C'était même pas un forfait. Elle m'avait pris pour mes 11 ans. Déjà, elle m'avait eu et tout. J'avais dit, ouais, tu me prends un téléphone tactile comme mes frères et sœurs. Mais oui, t'inquiète. Elle m'a dit, toi, tu vas aller à la kiné, moi, je vais t'acheter ton téléphone. Moi, j'y vais. Tranquille, je me suis dit, ouais, on va me prendre un beau téléphone. Tactile. Lol, ah, maman, tu te souviens? On m'a pas pris un téléphone tactile, hein? Et du coup, après, on est. Et après, à Noël, ma mère me dit, tu veux quoi pour Noël? Un téléphone. Mais t'en as déjà? Non, mais un téléphone tactile, maman. Ah, ok. Et non, j'avais pris un Samsung. Non, c'était quoi? Huawei ou un truc comme ça, je sais plus. Ma sister avec qui j'avais changé mon téléphone contre son Galaxy Ace. Si tu passes par là, tu mets en commentaire si tu t'en souviens. Et du coup, j'avais été chez mon papa. Ma sœur me dit, ah, c'est celui-là que je voulais. Ouais, ils ont un échange. Je m'en fous, moi. C'est un téléphone, c'est un téléphone. Tant qu'il est tactile, je m'en fous. Voilà. Mais ça m'avait bien eu parce que. Eh bien, ma mère avait payé plus cher que le sien. Oui, parce qu'elle en avait pris le mien plus celui de ma soeur. Donc, voilà. Et du coup, jusqu'à mes 14 ans, ma fille. Et un beau jour, j'étais chez mon papa. Chez même mon frère et mon père, je suis sûre qu'ils s'en souviennent. Qu'on avait dû... Papa... Et mon frère, si vous passez par là, dites que c'est vrai qu'on avait dû rescotcher ma batterie. Elle avait gonflé. C'est au moment où on pouvait les ouvrir, les téléphones. Maintenant, on peut plus. Elle avait gonflé. Elle tenait plus. Ma coque, elle fermait plus et tout. On était obligés. On avait dû mettre du scotch. Et le soir, mon père me disait, t'enlèves ta batterie et tout, ton téléphone, pour pas que ça pète. J'arrive chez ma mère, chez maman. Oui. Il faut me racheter un téléphone. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, mais rien, on n'a rien fait, c'est ça le pire. Ton frère, il n'a pas joué. Je dis, non, maman. En fait, mon téléphone, il est mort comme ça, mon petit Samsung. Non, après, ouais, il n'est pas mort comme ça. Faux. Après, moi, ma mère m'a racheté un téléphone et ma mère, c'était un Wiko qu'elle avait. En fait, je m'étais commandé un téléphone à Wiko sur internet. Reçu. Pas de batterie. Pas de chargeur, rien. Je sais plus sur quoi j'avais commandé. On est 70 euros. Je l'ai payé, j'ai jamais été remboursé. Ma mère l'a payé. Bon, bref. Et du coup, un Wiko. Du coup, on avait été à Leclerc, parce que j'étais déjà là où je suis maintenant, où j'habite maintenant. J'ai cherché un téléphone, on avait pris un Acer, mais lui, il est vraiment mort. Je crois même qu'il est à la poubelle. Ouais, ils sont. Ou en haut, là, sur ma penderie, je sais plus. Et du coup, ma mère m'a dit, bon, ben, mon Wiko est mort, je vais finir ton Samsung. On lui avait racheté. C'était juste pour une semaine. Hein. Et moi, en fait, il n'y avait pas mon téléphone que je voulais.
dans le Leclerc, donc il me dit, on a la semaine prochaine. Donc, et moi, j'avais, le soir, j'ai besoin d'une vidéo pour m'endormir. C'est bête, je sais. C'est pas bien. Et moi, il faut que je regarde une vidéo pour m'endormir. Sauf là, j'étais tellement chaos ces derniers jours que non. J'arrivais pas à regarder la vidéo. Donc, bref, voilà. Et moi, je bouge beaucoup la nuit. Je suis désolée, je vous ai fait bouger. Et ben, ce pauvre Samson. J'ai fini de l'achever une nuit. J'avais dû faire un cauchemar ou je sais pas quoi. Je l'ai balancé par-dessus le pied du lit. Et je le cherche, le cherche. Et le matin, vers 5h, je viens vers ma fenêtre. Il faisait noir parce que moi je mets jamais la lumière. J'avais pas de bureau à ce moment-là dans ma chambre. Et je peux pas mettre de lampe de cheveux à part maintenant que j'ai mon bureau, puisque j'ai pas de prise vers ma table de nuit. Et du coup, j'entends tout le monde dire. Mais quand je dis maman, j'ai pété ton portable. Mais punaise, on m'avait engueulé, je me souviens. Donc voilà, tout ça pour des portables. On va peut-être passer à la prochaine question. Et là maintenant, bah, j'ai mon Samsung A42. Donc avant, j'ai le Samsung Galaxy J5. Après, j'ai le A22. Et maintenant, j'ai le A42. Parce que mon A22, comme une... le 2 avril, je l'ai cassé 2022. Ah, je m'en souviens de celui-là, hein. Ma mère dit, non, c'est un poisson d'avril. Je dis, non, maman, c'est pas un poisson d'avril. Mais du coup, ma mère dit, maman, elle est en racheter un. Donc voilà, alors du coup, vous voyez, j'ai acheté le mercredi, le jeudi, j'ai commandé ma coque. Le vendredi, j'ai ma coque, j'ai mis ma coque. Donc, alors, je vais vous laisser, je vais aller boire. Du coup. Et pour me cacher, parce que voilà, je reviens à tout de suite. Me revoilà. J'ai été me faire un petit café parce que j'ai trop froid. Ce n'est pas un placement de produit. Café Tassimo, c'est pas un placement de produit. Penser qu'il faut que je vous raconte ça aussi, que cette nuit j'ai fait un rêve bizarre. Pas pourquoi j'arrive à ça, non, mais non. Voilà. Peut-être que si, je sais, mais peut-être que non aussi. En fait, mon rêve, c'est que j'aimerais que je prenais toutes mes dents et que le lendemain, dans mon rêve, hein, je m'étais réveillée, j'avais toutes mes dents. Et en fait, ma mère, oui, que je perdais toutes mes dents, sauf les deux en haut et les deux en bas, les deux incisives, je crois, si je ne me trompe pas. Du bien. Du coup, oui, ma tasse à café. Donc voilà. Bon. Ton lien crédit avec le téléphone. 12. As-tu déjà fait un régime? Non. Mis à part manger. Des fois que ma mère s'éclatait à manger ça, mais maintenant. La preuve, c'est qu'on en avait dans le frigo que la semaine dernière, elles sont parties à la poubelle. Vous savez, ces crèmes Germina, je crois qu'on dit. Ouais, c'est ça, je veux dire. Passer un temps avec ma mère, une fois par an, manger ça. Moi, je peux tout maintenant. Pour déjà, dedans, il y a un peu de sucre. Donc, moi, j'ai plus le droit, parce que je peux faire des dumpings. Dumping, donc, c'est le malaise avec la salive. Hein. Ceux qui ne savent pas ce que c'est. Qui ça? Dumping.
Voilà. Et ouais. Et du coup, avant que j'aie mon anneau et avant d'avoir ma cible, on faisait ça de temps en temps. Et là, on en avait dans le frigo parce que ma mère, oui, s'en est mis au travail. Sauf qu'elle en a une fois au travail. Heureusement qu'elle avait l'argent sur elle. Ça ne l'a pas calée, hein. Elle a failli faire un malaise, vagal. Elle a été obligée d'aller s'acheter un truc à manger. Et là, du coup, on en avait 6, 8 dans le frigo. Pour le premier mois de novembre. Hein. Ma mère, depuis mars, l'année dernière. Si, je vais les manger. Le mois dernier, j'ai maman, le mois prochain, c'est le premier. Mais je vais les manger! C'est la poubelle qui les a mangés. Désolée, mais j'ai trop froid, les amis. Donc, là, tu as fait un régime. 13 raconte une blague. On va dire que la blague, c'était mon rêve. Donc, voilà. Et du coup, ben, le tag, il est fini. Alors, est-ce que je blablate un peu? Ouais, ça vous fait un mini. Un mini vlog. Mais je bois mon café tant que c'est chaud parce que j'ai trop froid. Quoique non, je vais vous laisser comme ça, je vais terminer ce DP. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, j'ai même pas dit qui c'est que je taguais. Non, j'ai dit que je taguais pour ce tag. Donc, je tag Anne-Claire et ses douces folies. Donc, Anne-Claire, si tu passes par là, ben voilà, de toute façon, je vais t'envoyer un commentaire. Et en plus, t'es sur Discord, je crois. Corinne aimait et ses aimait passion. Donc, je vais lui laisser un commentaire aussi. Et Caro Diamond Painting aussi, je vais lui laisser un petit commentaire. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!